Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Askuban. Attention, c'est de tous abonnés. Si vous n'êtes pas encore abonné, mes frères et sœurs, n'hésitez pas à vous abonner. Cliquez sur s'abonner comme ça. Mac, cliquez sur la cloche. Et c'est extraordinaire. Si vous aimez cette vidéo, signalez-nous en cliquant sur j'aime. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Bien sûr que oui. Bien. Mes frères et sœurs, bonjour et bienvenue sur Nyans Reborn. Nous sommes très heureux de vous revoir aujourd'hui. Tellement heureux qu'on ne peut pas compter. Avant cette vidéo, nous devons passer notre temps à faire des témoignages puissants. Oui, des témoignages puissants, réactions. Vous n'avez sans doute pas reçu de notifications qui vous ont dit que nous étions en live. Mais ne vous inquiétez pas, vous pourrez regarder la rediffusion sur Nyans Reborn. Désormais, chaque jour sur Nyans Reborn, il y aura de nouveaux témoignages puissants. Et en particulier la semaine prochaine, la semaine qui commence à partir de lundi jusqu'à aller, voilà, je ne sais pas où, ça ne va jamais s'arrêter de toute façon. Soyez prêts, de nouveaux témoignages sont déjà là et nous allons les traiter. Voilà, c'était une brève information pour vous et je pense que c'était applaudi. Applaudissez mes frères et sœurs. Les bacs bras, vous le savez. Bienvenue mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Là les choses deviennent sérieuses. Mes frères et sœurs, dites-moi, est-ce qu'il est mauvais de rendre service à quelqu'un? Est-ce que c'est méchant de rendre service à autrui, c'est-à-dire quelqu'un qui vient vous voir et vous dit qu'il a des problèmes, est-ce que tu peux l'aider? Est-ce que c'est mauvais de rendre service? Bien sûr que non! Est-ce que c'est mauvais? Ici, quelque chose de grave va se passer lorsqu'une fille va rendre service à un enfant. Et là, vous serez étonné. Voici ce qui s'est passé. Un jour, cette fille-là se trouvait à la maison lorsqu'elle a reçu la visite d'un enfant. Un enfant du quartier, c'est-à-dire le voisin, l'enfant du voisin est carrément entré chez eux. Et quand elle est arrivée là, bizarrement, il a demandé à cette fille de l'aider à avoir un peu de nourriture, quelque chose à manger. Elle a dit, franchement, moi je suis une servante ici. Avant de te donner quoi que ce soit de cette maison, il faut que j'aie la permission des personnes qui sont dans la maison, des personnes qui m'ont confié la maison. Puisqu'il n'y a personne, je ne peux pas faire un geste. Il dit, s'il te plaît, j'ai faim. Si tu ne me donnes pas à manger là, je meurs. Je vais perdre la vie. Waouh! Quoi? Il dit, pardon, s'il te plaît, tout ce qu'il y a à manger, même quelle que soit la chose que tu vas me donner, n'importe quoi, tout ce que tu me donnes, je vais me consommer, je vais tout manger, ne t'inquiète pas, je prends tout, je ne sais pas compliqué. Même si c'est un riz, c'est du riz blanc, sans soupe dessus, sans quoi que ce soit, même du poulet, rien, je m'en fous, donne-moi quelque chose seulement à manger. Et voici comment ce jeune-là est tout simplement entré dans cette maison. Et il a reçu la nourriture de cette fille-là. Elle a eu compassion de lui. Elle a essayé de faire l'exception. Elle a pris même des risques en le faisant. Pour qui? Pour lui. Quelque temps plus tard, le grand-fils à cette famille est venu. Et quand il est arrivé, il a vu quelqu'un dans la cuisine en train de manger. Il ne sait pas qui c'est. Il rentre, il voit un enfant qui est là. Ah! Mais... il a appelé la servante tout de suite. Dis-moi, comment peux-tu faire entrer des étrangers ici sans notre permission? Elle lui a dit, vraiment, pardonne-moi. Je ne savais pas. En fait, c'est l'enfant du voisin. Il dit qu'il a faim. Il est arrivé ici et il avait vraiment très faim. C'est pourquoi je lui ai servi le peu de nourriture qu'on avait. C'est pourquoi tu le vois là. Il dit, il faut faire attention. Fais attention, on ne sait pas qui est qui.
Tu vas faire entrer les gens ici. Et si tu lui donnes de la nourriture et après il va là-bas et tombe malade, ils vont dire que c'est nous qui l'avons donné une maladie ou on l'a empoisonné. Fais attention. Fais très attention à ce niveau-là. Il y a beaucoup de problèmes dans ce monde. Et les humains, vraiment, sont devenus méchants. Fais attention avant d'aider. Vraiment, demande à Dieu de te guider. Elle s'est dit, d'accord, j'ai compris. La prochaine fois, je vais plus le refaire. Quand la femme a fini de manger, elle a dit de rentrer rapidement chez lui. Parce qu'elle a un peu de problème, elle a des soucis avec le patron. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Franchement, merci beaucoup. Sans toi, je ne saurais vraiment pas comment, je ne saurais comment m'en sortir aujourd'hui. Franchement, merci. Est-ce qu'elle a bien fait, mes frères et sœurs? Elle a bien fait ou elle a mal fait? Elle a bien fait. Elle a fait parce qu'elle a eu pitié. Elle a fait avec amour. Elle a fait par amour pour son prochain. Mais aujourd'hui, là, les prochains ne sont plus les prochains. Ils sont plus les mêmes. Les humains ne sont plus ceux qui prétendent être. L'homme est créé à l'image de Dieu, n'est-ce pas? Il est censé être beau. Il est censé être attirant. Il est censé être bon. Mais aujourd'hui, là, il y a beaucoup de personnes mal intentionnées parmi nous. Il y a même des satanistes et des sorciers. Ce jour-là, elle a donné à manger un enfant. Et plus tard, elle va découvrir à qui elle a donné véritablement cette nourriture. Ça n'a pas duré, ça n'a même pas fait une semaine. Ce même enfant est revenu dans cette même maison. Et cette fois, il était accompagné d'un cadeau, un présent, pour venir remercier cette fille-là, cette servante, de l'avoir donné à manger pendant qu'il avait faim. Et le présent qu'il lui a envoyé, c'est un gâteau. Vous connaissez les gâteaux, genre les biscuits là. Voilà. Un bon biscuit comme ça. Quand tu vois, tu dis, Seigneur Jésus, tu es joli. Je vais bien manger aujourd'hui. Il y a des gens ici, quand ils vont manger là, Seigneur Jésus, tu es bon. Parce qu'il a vu la nourriture, la bonne nourriture. Lui, il est content seulement. Ok. Que Dieu te bénisse. Mais il faut prier avant de manger. Même derrière nous, vous voyez quoi ici? Qu'est-ce que c'est? C'est de la nourriture. Mais avant de toucher à ça, il faut manger, même si c'est Jésus-Christ lui-même qui t'a donné main à main. Il faut prier dessus. On ne sait jamais. Dis, Seigneur Jésus-Christ, que cette nourriture-là soit purifiée, que ton sang purifie cette nourriture. Dis ça seulement. Ouvre la bouche et dis ça. Même si tu veux, tu peux prier dans le cœur, tu vas le faire. C'est important. C'est pour ton propre bien. Parce que dans ces derniers temps-là, surtout en période de fête, le diable passe par la nourriture pour lancer des mauvais sorts aux gens. Lancer les mauvais sorts, la malédiction aux gens. Comme ça, gratuitement. Et c'est ce qui va se passer ici. Quand cet enfant va envoyer ses biscuits, elle va d'abord hésiter à le prendre. Mais puisque c'était juste un cadeau, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit, ah, c'est un cadeau aussi. Lui aussi dit, oui, c'est un cadeau. On ne refuse pas un cadeau. Il faut prendre ce cadeau que je t'offre avec mon cœur. Avec mon cœur. Le diable. Ok, bon, vous allez comprendre. On n'est pas trop pressé. Restez jusqu'à la fin, c'est bon, vous allez comprendre. Mes frères et sœurs, si vous n'avez pas encore cliqué si j'aime, c'est l'heure de cliquer si j'aime. Et vérifiez que vous êtes abonné. C'est parce que là, nous entendons une autre dimension de nouveau père. Ça risque de vous faire peur, ça risque de vous effrayer. Là, il faut faire attention à ce que vous allez entendre. Ou bien vous allez voir, on ne sait jamais. Préparez-vous, ça va être chaud. Let's go. Bien. L'enfant disait quoi? L'enfant donnait quoi à la fille? Un cadeau, un biscuit. Et elle hésitait à prendre. Mais à un moment donné, elle s'est dit que c'est un cadeau. Elle reçoit un cadeau. Elle ne peut pas refuser ce cadeau. Donc finalement, après une longue discussion, elle a pris ce cadeau-là. Et quand elle a pris ce cadeau-là, aïe, 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 ce qui s'est passé, c'est qu'elle a mangé ce biscuit-là après. Elle a consommé. Mais à chaque fois qu'elle mangeait un morceau, la première tranche, le deuxième. Au moment où ça rencontre là, ses yeux spirituels ont commencé à s'ouvrir. Les yeux spirituels là, ce sont les yeux des sorciers. J'ai craché le mot. En fait, l'enfant là, c'est un sorcier. Et lui, il a été envoyé
par son maître. C'est un chef de sorcier du quartier. Lui, ce chef de sorcier-là cherche à entrer dans cette famille parce qu'il n'y a pas son représentant dans cette famille. Il n'y a pas le représentant du diable dans la famille. Or, lui, il veut voir tout ce qui se passe dans la famille-là. C'est pourquoi il a envoyé cet enfant-là pour se faire passer comme quelqu'un qui a besoin de nourriture. C'est faux, il n'avait pas besoin de nourriture. Il a beaucoup de nourriture même chez lui à la maison. Il est venu en mission, mais il devait se faire passer pour quelqu'un de pauvre qui est dans les soucis pour pouvoir entrer dans cette maison, pour pouvoir toucher la sensibilité de cette fille, pour pouvoir toucher le côté amour qu'elle a, c'est-à-dire le côté partage, le côté humain de cette fille, afin de lui compliquer la vie après. Le diable est mauvais. Si le sorcier sait que vous êtes gentil, vous êtes trop gentil, il va essayer de profiter de cela pour vous faire du mal. C'est pourquoi il faut faire attention. Il faut demander à Dieu de nous guider dans toutes nos voies et de demander à Dieu de nous montrer qui sont vraiment ceux qui nous entourent. Quel est leur état d'âme? Est-ce que l'homme que j'aide là, c'est un homme qui est bien ou c'est un sorcier? Ici, quand elle va commencer à manger ce biscuit, consommer ce biscuit-là, ses yeux spirituels vont s'ouvrir comme ça. Elle va commencer à voir tout ce qu'elle ne pourrait pas voir autour d'elle. Et à un moment donné, elle va s'endormir. Quand elle va s'endormir, c'est-à-dire la nuit, quand elle va se coucher, en ce moment-là, le petit sorcier-là va apparaître là-bas, dans sa chambre. Boum! Dans sa chambre, il apparaît comme ça là-bas. Faut voir, si on vous montre comment ils apparaissent là, si vous n'avez pas foi, vous allez avoir peur. Si vous n'avez pas foi, vous aurez peur. Franchement, il a apparu dans la chambre là-bas, boum, comme si c'est une fumée qui vient d'apparaître et la fumée s'est transformée en un humain. Et il était là. Il a commencé à tirer, à appeler l'esprit de la fille, à appeler l'esprit de la fille. À un moment donné, elle-même là, elle a commencé à être étouffée, elle a commencé à tousser. Dès qu'elle s'est réveillée net, elle ouvre les yeux, voici le petit là devant elle. Il est habillé en tout noir, c'est-à-dire le vêtement qu'il utilise dans le monde de la sorcellerie, c'est le même vêtement qu'il avait sur lui et elle pouvait voir ça comme ça. Et un de ses yeux était fermé, comme si son œil était sorti de son orbite. C'était vilain. Elle ne pouvait pas crier aussi, parce qu'elle avait l'impression que sa bouche était fermée. Et c'est à ce moment-là que le petit va lui dire, comme tu peux le voir, je suis un sorcier. Et je t'ai initié à la sorcellerie. Ce biscuit que je t'ai donné là, c'est pour t'initier. Et tu as déjà consommé ce biscuit, tu ne peux plus faire marche arrière. Si je t'ai initié, c'est parce que j'ai une grande mission à te confier. Et c'est une chose de vie, de mort. C'est une histoire de vie ou de mort. Soit tu obéis, soit tu meurs. Et ta mission ici est de veiller à ce que tout ce qui se passe dans la maison, nous nous soyons informés. Et tout ce que nous allons te dire de faire, te demander de faire, tu le feras exactement, typiquement. Tout ce qu'on va te demander de faire, tu le feras. Elle dit, où? Mais qu'est-ce que c'est? Il dit, ce n'est pas un rêve. Tout ce que je suis en train de te dire là, c'est la réalité. Et tout à coup, cet enfant-là a disparu. Il est parti. Elle-même après, elle était assise et elle se touchait pour voir est-ce qu'elle est en train de dormir. Elle sort, elle regarde le miroir. Ah. À un moment donné, elle est tout simplement. Elle s'est réveillée le matin et peut-être qu'elle était dans la cuisine. Elle s'est dit que franchement, elle doit dire ce qu'elle a vu. Elle doit révéler à toute sa famille le danger qui les guette et la mission qui lui a été confiée. Elle est sortie de la cuisine et elle est allée au salon. Elle a vu le grand-fils de cette famille avec sa petite sœur. Et elle se préparait à ouvrir sa bouche. Elle se préparait carrément à avouer tout ce qu'elle a vu, tout ce qui est en train de se passer ou va se passer dans cette famille. Dès qu'elle se préparait à ouvrir la bouche nette, un oiseau mystique a volé et est venu se placer en haut là-bas comme ça. Boum! Elle seule pouvait voir cet oiseau-là. Dès que cet oiseau lui a fixé des yeux, automatiquement, elle a reçu le signal. Elle était bloquée, elle ne pouvait plus dire quoi que ce soit. Parce que si elle ouvrait seulement la bouche pour dire ne serait-ce qu'une seule information, donner une seule information de ce qu'elle a reçu la nuit dernière, serait fini pour elle. Elle allait mourir sur le champ.
Elle était d'abord venue. Elle a dit, ah, excusez-moi, je vais vous dire quelque chose de sérieux. Quand elle s'est préparée à dire, je vais dire quelque chose de sérieux, et elle s'est préparée à cracher le mot, automatiquement, cet oiseau est venu. Quand cet oiseau est venu, et elle a vu cet oiseau, les deux yeux se sont croisés, automatiquement, elle a changé de langue, elle a changé de mot. Elle a commencé à dire à ceux qui étaient là, qui voulaient se préparer maintenant à l'écouter, puisqu'elle voulait dire quelque chose de sérieux. Donc, elle était là, elle a regardé jusqu'à un moment donné, elle a dit, j'ai oublié ce que je voulais dire. J'ai oublié. Le grand fils de la famille, lui aussi, il la regarde et il dit, comment ça, tu as oublié? Maintenant, sa personne dit, c'est l'intérêt qu'elle ne va pas bien. C'est que ça ne va pas bien ici. Va dans la cuisine. Va faire ce que tu as à faire. Nous, on a besoin de manger. Vas-y. Et elle est arrivée dans la cuisine. Et elle est tentée de penser, réfléchir. Ah, dans quel problème je me suis mis? Dans quel problème je me suis mis? Ah! Qu'est-ce que c'est que ça encore? Mais qu'est-ce que c'est? Franchement, au moment où elle était de réfléchir là, voici une lumière, la fumée va carrément apparaître là. En ce moment-là, net, le même enfant va apparaître, va lui dire, qu'est-ce que tu te prépares à faire? Qu'est-ce que tu te prépares à faire? Hein? Si tu as tout dit ici, nous t'avons prévenu, tu vas mourir. Accompli ta mission. Il a disparu. Boum. Elle s'est mise à pleurer. Dès qu'elle s'est endormie, la deuxième nuit, elle s'est retrouvée cette fois dans une réunion. Et dès qu'elle est arrivée là-bas, ils l'ont habillée en tout noir. Et elle avait maintenant la même apparence que ce petit-là. Du coup, la servante de cette maison a été initiée. Voici comment le diable est entré dans cette maison-là, au travers de qui? Leur servante. Et depuis ce jour-là, toute cette maison-là est sous surveillance mystique et elle a installé toutes les caméras de surveillance de la sorcellerie. Vous savez que les sorciers-là, ils ont des caméras de surveillance. C'est quoi une caméra de surveillance mystique ou encore de la sorcellerie? Une caméra de surveillance de la sorcellerie, c'est une caméra spirituelle qui fonctionne exactement comme une caméra réelle. Mais c'est mystique et cette caméra-là peut voir tout ce qui se passe dans la maison dans tous les angles possibles. Tu n'as pas dit que quand tu as placé cette caméra-là en haut ici, ça ne va pas voir ce qui se passe derrière le mur. Non, ça peut tout voir. Et quand un sorcier a des yeux spirituels, ses yeux sont ouverts, il peut même voir au-delà du mur. Il peut voir au-delà de ce mur-là, ce qui se passe derrière le mur. Il voit tout comme si il n'y avait pas de mur. Oui. Et de la manière, il voit devant là. De la manière, vous pouvez regarder devant et voir tout ce qui se trouve devant. Lui, de la même façon, il peut voir derrière aussi. C'est comme s'il a des yeux derrière qui lui permettent de voir tout ce qui se passe derrière. Donc, cet homme-là, il est dans une autre dimension. C'est plus la même personne. Et ses yeux spirituels peuvent lui permettre de voir à plus de 1 km. Déjà, il est ici et il voit plus de 1 km. Même il peut voir ce qui se passe chez vous. Si c'est tout aux États-Unis, que vous êtes en France, il peut tout voir ce qui se passe. Il peut voir tout ce qui se passe chez vous. Facile. C'est mystique. C'est pourquoi chaque jour, notre prière doit être orientée dans ce sens. Disons, Seigneur Jésus, s'il te plaît, fais tomber toute la caméra de surveillance dans la sorcellerie dans ma vie, même dans ma maison. Quand le diable installe telle caméra de surveillance dans votre maison, il cherchera à entendre vos projets, savoir ce que vous faites afin de vous mettre des bâtons dans les roues. C'est ce qu'il fait. Et c'est ce qui va se passer avec cette famille. Quand cette fille a été initiée, puisqu'elle prépare, elle a maintenant donné une nourriture envoûtée à la femme de cette maison, la maîtresse de la maison. Et du coup, elle aussi, elle a reçu de la sorcellerie. Maintenant, comme son mari, là, c'est quelqu'un qui prie beaucoup, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont demandé à cette femme-là, sa femme qui a été initiée sans qu'ils s'en rendent compte là, ils ont demandé à cette femme-là de veiller à ce que son mari ne puisse plus prier comme avant. Dès qu'il va se préparer à lire la parole de Dieu, il faudrait qu'elle vienne vers lui pour le séduire, pour l'amener au lit, pour faire les choses. À chaque fois, c'est ce qui se passait. Au moment où ce Thomas va s'en rendre compte, lui aussi, il a été initié. Voici comment toute la famille
Sinon, sauf les deux enfants qui restent, ont été initiés. Mais cet homme de Dieu-là, cet homme-là, avait quelqu'un qui était un serviteur de Dieu, qui venait le voir régulièrement. Et c'est cet homme-là, plus tard, qui a découvert que cet homme était initié et qu'il faut qu'on fasse sa délivrance. Voici comment il est entré dans cette maison-là et il s'est mis à prier. Il s'est mis à prier là. Waouh! Les forces du monde étaient dans la maison. Même les camarades de surveillance de la maison ne pouvaient plus tenir. Il y a eu un fort tremblement de terre dans le monde des ténèbres et tous les sorciers de cette maison-là sont tombés. Ils sont tous tombés. Ça veut dire que ces sorciers-là, la fille a été initiée, Jean aujourd'hui, mais ça peut plusieurs années avant qu'on découvre qu'il y a eu la sorcellerie-là. Il y a beaucoup de personnes, même ça prend 10 ans, 20 ans, certains même meurent sans savoir qu'il y avait des sorciers dans les familles. Tu vas entrer dans une famille, tu vas voir que les gens meurent d'une même maladie. Et vous ne vous posez pas la question de savoir, mais pourquoi les gens meurent-ils de la même maladie? Pourquoi? C'est parce qu'il y a la sorcellerie et il y a le diable qui est là, mais personne ne sait. C'est pourquoi nous avons besoin de prier et demander à Dieu de couvrir notre maison par son sang. Disons à Dieu de couvrir notre maison par son sang. Prions ensemble, mes frères. Disons, Seigneur Jésus-Christ, s'il te plaît, couvre notre maison par ton sang et que ton feu devant protège notre maison contre les attaques des forces du monde des ténèbres et que toi-même tu sois en nous, tu sois en nous. Éloigne-nous du péché, éloigne de nous les mauvais esprits. Sans toi, nous ne pouvons les combattre. Seigneur Jésus-Christ, sois le notre chemin, sois celui-là même qui va nous sauver et qui de nous. Amen. Mes frères et sœurs, commencez à prier beaucoup. Et Dieu va vous révéler en songe tout ce qui se passe autour de vous. Dès que Dieu vous révèle ces choses incroyables que vous allez vous commencer à voir dans vos rêves, dès que Dieu va vous révéler ça, mes frères et sœurs, écrivez-les quelque part et priez en conséquence. Quand il y a des ennemis dans la famille ou quand il y a des soucis dans la famille, Dieu montre des choses comme ça aux humains. Quel genre de choses? En fait, vous pouvez être là dans la maison comme ça et un coup, du coup, vous commencez à voir un songe. Ou dans le songe, vous voyez que, par exemple, votre servante, elle a bien un noir et elle a une tête de chat. Par exemple, si vous voyez que cette servante, en songe, vous voyez votre servante, par exemple, habillée en noir et elle a une tête de chat, ça veut dire que cette servante-là, elle n'est pas humaine. Sinon, il y a un démon qui est en elle. Ou encore, elle est sataniste ou elle est sorcière. Elle est initiée. Ça veut dire qu'on ne peut pas n'importe qui pour envoyer ce soir. Il faut demander à Dieu de nous révéler quel est véritablement l'état d'âme de la personne qu'on va envoyer chez nous. Sinon, on risque de faire des erreurs, des grandes erreurs qui risquent de nous compliquer la vie, même cacher tout dans notre vie. Qu'est-ce qui se serait passé si Dieu n'avait pas intervenu à temps dans cette famille? Toute cette famille serait dévastée. Parce qu'on sait que quand le diable entre dans une famille, il cherche premièrement à initier quelqu'un. Dès qu'il va initier une personne dans la famille, cette personne va maintenant initier elle aussi à son tour toutes les personnes de la famille. Et si elle ne réussit pas, elle va maintenant commencer à sacrifier des gens, tuer des gens dans la famille. Maintenant, quand elle va réussir à tuer toutes les personnes de la famille et qu'elle va rester seule, le diable va lui demander de faire un sacrifice. Et son dernier sacrifice serait de elle-même perdre la vie. Parce que elle n'aura plus personne à sacrifier. Donc le diable va la tuer au final. Finalement, qui a gagné? C'est le diable. Et elle a perdu. C'est pourquoi on dit que la sorcellerie, c'est quelque chose qui est vraiment insensé. Parce que le diable, c'est le mauvais. On ne pactise pas avec le diable. Tous les pactes avec le diable, ça finit toujours mal. Ça finit toujours mal. Mes frères et sœurs, prenez soin de vous. Nous espérons que cette vidéo vous a aidé. Préparez-vous également pour une autre vidéo. Même un autre live. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous serons chauds la semaine prochaine. Et préparez-vous, mes frères et sœurs, parce que ça va être chaud. Que Dieu bénisse, mes frères et sœurs, pour le soin de vous. Que Dieu vous garde, mes frères et sœurs. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette vidéo? Réagissez dans la partie commentaire. J'aimerais bien savoir qu'est-ce qui vous a le plus étonné. Et si vous avez été étonné, cliquez sur j'aime. Si vous avez été surpris, cliquez sur j'aime. Si vous avez reçu quelque chose qui va permettre d'évoluer avec prudence maintenant, cliquez sur j'aime. Si vous n'êtes pas encore abonné, pour ne pas manquer les prochaines vidéos, cliquez sur abonner juste en dessous de cette vidéo et cliquez sur la cloche pour l'activer. Maintenant, préparez-vous parce que nous sommes dans une autre dimension aujourd'hui sur
Bien sûr, bonne. Que Dieu vous protège, frères et sœurs, et qu'il vous bénisse. C'est parti pour la prochaine vidéo. Que Dieu veille sur vous. Let's go.